entre les nouveaux membres qui se joignent à votre équipe et les nouveaux projets qui débutent, nous savons que votre horaire est rempli. Vous serez certainement heureux de découvrir que les nouveautés de notre mise à jour de septembre seront des alliés inestimables pour simplifier votre quotidien. Tout d'abord, nous avons ajouté une page de bienvenue à votre tableau de bord. Cette interface regroupe des ressources utiles pour guider les nouveaux utilisateurs dans leurs premiers pas sur la plateforme. À partir de la page d'accueil, les utilisateurs pourront faire une visite virtuelle et regarder une vidéo d'introduction, trouver des ressources, y compris le nom de leur super utilisateur, qui peuvent les aider s'ils ont des questions, et identifier les premières actions à faire pour commencer à utiliser Borealis, y compris le téléchargement de l'application mobile. Comme la page de bienvenue est un rapport, vous pouvez facilement la déplacer dans votre tableau de bord, la supprimer ou la retrouver en recherchant dans le registre des rapports. Notre module complémentaire Gmail possède les mêmes fonctions de gain de temps que la version que vous utilisez peut-être déjà avec Outlook. Il vous permet de catégoriser les courriels et les réunions directement à partir de Gmail. Il suffit d'ajouter le module à votre compte Gmail, de vous connecter à l'aide de vos informations d'identification Borealis et vous êtes prêt à travailler. Entre autres choses, le module complémentaire vous permet de classer vos courriels par projet, plan de participation ou catégorie de sujet, créer automatiquement un enregistrement pour les destinataires de votre courriel s'il n'existe pas déjà dans Borealis et synchroniser vos réunions. Et bien sûr, le module complémentaire Gmail fonctionne de la même façon sécuritaire que le complément pour Outlook. Avec les nouvelles formes de travail hybride ou entièrement à distance qui se sont imposées, il est d'autant plus important pour les gestionnaires d'avoir une vision claire des événements, communications ou tâches à venir afin d'optimiser les activités de mobilisation. Les importantes améliorations que nous avons apportées à notre widget calendrier les aideront dans ce sens. Il est dorénavant possible de créer vos enregistrements directement depuis le calendrier, changer la vue par jour, semaine ou mois, définir une légende afin de bien distinguer les événements selon l'équipe ou leur type, et agrandir le calendrier afin de bien voir toutes les activités, même lors des mois occupés. Et voici une autre astuce pour gagner du temps. Si vous devez modifier la date ou mettre à jour la liste des participants d'une réunion à venir et que vous avez déjà synchronisé à Borealis, vous pouvez désormais effectuer ces changements sans jamais quitter Outlook ou Gmail. Il suffit de mettre à jour les informations de la réunion, puis de la synchroniser avec Borealis à partir du complément Outlook ou Gmail. Plus besoin d'aller chercher la communication dans Borealis pour la modifier lorsque des changements surviennent. Et voilà, cela fait le tour de nos nouveautés vedettes pour cette mise à jour de septembre. Comme toujours, vous pouvez nous écrire pour obtenir du soutien avec l'une ou l'autre des nouveautés. Et n'oubliez pas de lire la note de mise à jour du produit afin de connaître toutes les autres nouveautés et consultez les articles du Centre d'aide si vous avez des questions.